C'est criminel de faire une vidéo de vulgarisation sur la monnaie magique et de ne pas poser son cul pendant 5 minutes et de se dire tiens, je vais vous expliquer comment la monnaie fonctionne. Parce qu'en vrai là, on peut mettre un chronomètre, je pense qu'en une minute, on est capable de décrire dans les très grandes lignes comment les, la monnaie fonctionne. Moi je chie tous les matins, ça vaut jamais rien. <laughs> Je suis désolé, mais énoncer comme ça, en règle euh, quasi religieuse, une citation de Keynes, c'est un crime contre l'humanité en fait. Ça m'énerve comme si Macron avait découvert l'argent magique. Les États ont découvert l'argent magique. T'imagines le mec qui regarde ça et qui se dit, tiens, je vais prendre des notes. Parce que j'ai envie de comprendre l'économie. Et il commence par le truc le plus faux qu'il qu a jamais entendu en économie. Et à partir du moment où il y a une pression monétaire, l'impôt est injustifiable. Je fais la traduction. L'impôt, c'est du vol. Si vous écoutez ce mec et qu'à la fin, vous prenez des notes, vous repartagez autour de vous et vous vous dites c'est normal, en vrai, vous avez un QI négatif. quest <laughs> second best There is no second best. There is no second best crypto asset. There's a crypto asset It's called Bitcoin, right? Vous connaissez notre amour pour Eureka, vous connaissez notre amour pour Blast. Aujourd'hui, ça tombe bien, on va réagir à une vidéo de Blast. Fit Eureka, fit, stupide économique, mais oui, on s'en fout. Aujourd'hui, l'idée, ça va être comme d'habitude dans ces formats à réaction, de débunker. Euh, ils ont sorti une vidéo qui s'appelle L'argent magique, la solution à tous nos problèmes. Vous nous avez suggéré la vidéo sur Twitter. On ne l'a pas regardée, on se l'est réservé pour aujourd'hui. On a essayé d'être rapide, on a fait ça dans les 24 heures. Je précise, c'est d'usage on va essayer d'interpréter ce qu'ils disent. On commence à bien les connaître, on est intime avec eux. Je pense que c'est la cinquième réaction au moins qu'on fait à leur contenu. Donc voilà, on sait qu'on va surinterpréter, j'anticipe les commentaires, mais c'est fait exprès. Ouais, parce que eux mêmes on pas souvent au fond de leur raisonnement. Non. Donc euh, il, il a juste des petits pics comme ça, et nous, il faut qu'on aille chercher vraiment c'est quoi le, le rosier qui est derrière. <laughs> Et euh, c'est notre mission, euh, c'est celle qu'on s'est qu donnée. Et juste avant de commencer, je voulais absolument remercier Consensus Network, qui est notre partenaire, c'est une maison d'édition qui édite des livres principalement sur Bitcoin, mais pas que. Euh, alors là, je voulais vous présenter en, dans un premier temps euh, l'élégance de Bitcoin de Ludovic Lars. On a sorti une interview avec lui sur notre chaîne, si ça vous intéresse, je vous mettrai une petite fiche. N'hésitez pas à la voir après cette vidéo. Concrètement, c'est la bible sur Bitcoin. Euh, c'est un auteur français, donc c'est très bien écrit. C'est pas une traduction où des fois c'est pas forcément fidèle. Donc je vous recommande vraiment d'aller le voir. Et puis tout au long de la vidéo, on vous parlera d'autres livres que vous pourrez aller. Euh, Consultez si ça fait sens avec la vidéo, mais je n'en doute pas vu qu'on va parler de monnaie. Et vous pouvez aussi bénéficier de moins 10% avec le code HowToBitcoin, donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça vous donne une petite promo sur toute la boutique de consensus. Je vous propose qu'on commence directement avec la vidéo, sans plus tarder. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en politique, la formule est reprise l'argent ne serait pas magique. C'est ce qu'il dit, par exemple, à cette infirmière du CHU de Rouen en 2018, qui déplore les manques de moyens de l'hôpital public. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Et l'expression est reprise par ses ministres pour indiquer que leurs décisions sont les seules possibles. La finance magique, on peut toujours la déclarer, mais la finance magique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de finance magique. Hein. Et même encore récemment, hein, lors de la campagne des législatives sur de 2024 se rappelle à la réalité sous-entendu opposé à la magie au fantasme a été utilisé plusieurs fois par le camp présidentiel pour nous rappeler ce qu'il était possible de faire ou non on peut toujours promettre qu'on va raser gratis on peut toujours promettre que le salaire en moyen sera 2000 euros pour tout le monde et je le dis avec beaucoup de gravité à tous les électeurs de centre gauche à tous les sociaux-démocrates qui savent qu'il y a une économie qui savent tout simplement qu'il y a une réalité économique. Il y a donc d'un côté les magiciens, des gens pour qui l'argent apparaît de nulle part et qu'il serait possible de dépenser sans compter, sans conséquence et sans avoir peur d'en manquer. Et de l'autre, il y a les gens sérieux, ceux qui sauraient comment fonctionne l'argent, des gens emplis de bon sens. Ah, le bon sens Et la, la vidéo va nous donner raison <laughs> ouais. J'ai trop hâte de les voir invoquer de l'argent magique parce que c'est leur grand truc en vrai. Ouais, et là tu sens qu'ils qu vont commencer à te dire que en fait euh, personne peut savoir, personne peut comprendre parce que c'est voilà c'est compliqué. Et, euh, et ça c'est quand même une manœuvre assez fréquente euh, chez ces gens. C'est de t'enfumer, euh, d'utiliser euh, plein de oui non mais ça c'est compliqué, ça t'as pas besoin de comprendre pour en fait derrière venir te la mettre euh, bien comme il faut et en fait euh, ne rien t'expliquer mais juste te faire passer les idées qu'ils ont dedans, parce que tout le reste, de toute façon, c'est compliqué, t'as pas besoin de comprendre. Et, euh, et je le sens, là, ça a une odeur de ça, et je pense que si on l'a recommandé, c'est pas pour rien. Bon, après, on sait pas encore euh, ce qu'ils vont raconter, mais, euh, mais, ah, cool, mais on, on peut le sentir. Et, et ce qui est fou, c'est que, vraiment, si c'est le cas, ça va quand même tellement à l'opposé de l'objectif qu'ils ont, qui est de faire de la vulgarisation et de te permettre de comprendre mmh. euh, les phénomènes économiques et tout, et en fait, à la fin... Euh, c'est de l'idéologie. C'est juste de l'idéologie. Il n'y a, <laughs> a pas de fond. C'est ça. Et peut-être un petit truc à préciser quand même, c'est que j'ai l'impression que là, bon, bah, ils tapent sur le gouvernement et leurs histoires d'argent magique, il n'y en a pas. Ce n'est pas pour autant qu'on est d'accord avec les Bruno Lomer et compagnie, hein. que ce soit bien clair. Euh, toutes les politiques des gouvernements, bah, en fait depuis euh, toujours, hein, euh, on n'est pas en accord avec eux. On n'est pas en train de faire de la défense euh, de, de la politique mmh. keynésienne euh, basique. Quoi. On ne la défend pas pour autant. Après, là, sur tout ce qu'on a entendu, moi, je suis d'accord. Ah oui, en fait, souvent, on est d'accord avec ce qu'ils disent, mais dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Dans les faits, en fait, ils font leur politique à eux. C'est ça oh. qui est dingue. C'est ça. <laughs> c'est qu'ils disent qu'ils ils vont faire de l'austérité, qu'ils vont faire attention, faire attention aux dépenses. Et dans la réalité, dans les faits, en fait, tout ce qu'ils font, c'est leur keynésianisme et euh, du socialisme bien diffusé. Allez, on. C'est un terme que prononce Macron quelques secondes avant, là, dans la discussion avec l'infirmière de Rouen. Mettre des moyens sans faire les choses qui, pour le moderniser, accompagner, transformer, avoir parfois du bon sens, c'est pas aider les gens. Le bon sens, c'est que la magie n'existe pas. Depuis les avancées de la science et le recul de la religion, elle n'existe plus que dans les livres, les films ou des mouvements marginaux. Cette expression est importante parce qu'elle est beaucoup utilisée. L'idée est même devenue un des moments emblématiques du débat présidentiel de 2022 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils seront contents de la. C'est pas Gérard Majac ce soir, Madame Le Pen. il cherche du. Une cherche... D arrêtez, d emploi, arrêtez vous ça. Savez. Les chiffres, on parle de vie derrière. Mais la vie. De nos commerçants, de nos artisans, c'est ça la dette Covid. Pour discréditer Marine Le Pen, Emmanuel Macron invoque le nom d'un magicien que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. C'est de cette manière qu'il défend les dépenses et la dette Covid. Là encore, il s'agit de dénoncer l'absence de bon sens et de bonne science de l'adversaire. Pas de colle, pas de colle. Mais alors comment faites-vous Vous savez, Monsieur Majax, il y a un truc et c'est à vous de le trouver. Vous, comme moi, savez que ce billet, merci, est réel. Il a une existence tangible. Il se transforme en nourriture, en essence, en service. Ce billet n'est pas magique, son fonctionnement est simple. On sait ce qu'il permet, puisqu'on l'utilise tous les jours. Et c'est pour ça que... Oh, je, le remake de la vidéo euh, d'Arte, là <laughs> C'est d'accord comment t'en mets des coups à chaque fois. Genre, c'est toujours... Euh, je sais pas s'il y a un terme pour ça, mais ils tapent, genre tu leur donnes une cible, et en fait, d'un coup, il tourne le pistolet, il, il tape ailleurs. <laughs> Genre, tu sais, euh, là, t'as un soin qui te donne le cadre en mode, euh, tu peux pas euh, réussir à financer des choses quand t'as pas d'argent. Et d'un coup, eux, ils te reciblent le cadre et tu te dis, regarde ce billet, il est bien réel. <laughs> ouais. Mais ça n'a rien à voir avec le débat. <laughs> en plus, tout est faux parce qu'en plus, le billet derrière, euh, en fait, il n'a pas de valeur à part le fait qu'on est obligé à l'utiliser. Et derrière, euh, en fait, elle a oublié le, le tout sens de, de leur argumentation, qui est de dire que, bah, vous êtes en train de prendre de l'argent que vous n'avez pas. Oui, c'est ça. Et après, pour sa défense, là, ok, elle explique quand même que le billet, c'est une convention sociale, donc on se l'accepte tous. C'est pour ça que ça marche. Mais c'est vrai qu'ils oublient quand même un gros point, c'est que ça marche parce qu'on est forcé. Et que si tu donnais le choix aux gens, ils n'utiliseraient plus de billets depuis longtemps. Enfin, en tout cas, ces billets-là, ils les utiliseraient plus depuis longtemps parce que ça ne repose sur rien. La formule est forte. Parce qu'elle s'appuie sur une réalité ancrée en nous. Nous sommes tous liés au montant inscrit sur notre compte bancaire, nos rêves, nos loisirs, notre santé, notre espérance de vie. Alors nous savons ce qu'est l'argent. Soit on en a, soit on n'en a pas. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc l'argent sur votre compte en banque n'est pas magique. Mais il y a un truc. Alors, quand même, juste un petit truc l'argent sur notre compte, et concrètement magique, hein, parce que c'est des trucs, c'est des zéros et des uns qu'on rajoute et qu'on enlève, qu'on crée à partir de rien, pour, euh, pour beaucoup, donc je suis pas hyper d'accord. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on fasse gaffe, peut-être à pas se perdre non plus, c'est que euh, là, eux, ils essayent de déconstruire un, un cran plus loin, en fait d'expliquer que euh, Quasiment, euh, l'argent est as un derrière, ce qui découle, c'est le capitalisme. Oui, ah, euh, ah, oui, c'est voilà. quasiment quelque chose qu'on nous a imposé, une façon de voir le monde, où en fait, euh, il faudrait compter avec cette unité qui, euh, qui est juste une convention sociale, mais presque une convention imposée, mm. et que c'est absolument pas quelque chose qui a émergé spontanément. Ouais. Et, euh, et donc, je pense qu'il faut quand même qu'on on prenne le parti de dire voilà que l'argent qu'on utilise aujourd'hui, elle a un sens, ouais. euh, et qu'on qu se batte là-dessus, parce qu'en en fait, eux, ils vont encore plus loin, et, et c'est ça le danger, c'est qu'ils t'amène à essayer de débattre sur un truc qui est ouais. au final pas très intéressant, et eux, ce qu'ils veulent combattre, c'est carrément l'idéologie qu'il y a derrière, et juste le fait, c'est de l'argent. Oui, c'est ça, c'est que c'est vrai que l'argent, s'il y a quand même une grosse incompréhension là-dessus, en fait, on en arrive aujourd'hui à le diaboliser, alors que c'est l'une des inventions qui a le plus révolutionné l'humanité, je pense objectivement quasiment. C'est-à-dire que trouver un moyen d'échange qui a évolué hein, au fil du temps, jusqu'à jusqu l'or, euh, les monnaies actuelles et Bitcoin en l'occurrence, c'est un truc qui te permet d'accumuler du travail, de l'énergie, dans quelque chose de liquide que tu vas pouvoir échanger à chaque instant. Il faut, faut bien essayer de visualiser le monde sans argent. C'est un truc invivable. Ça, ça résout bah, la, la fameuse double coïncidence des besoins, où si on n'a pas de monnaie, bah, il va falloir que moi qui produis des carottes, bah, J'ai envie de tes chaussures, et que toi, euh, bah, pour faire le change, tu trouves quelqu'un qui a peut-être euh, la moitié de raisin que je veux pour qu'on fasse un échange, et en fait, on voit bien que ça marche juste pas. Hein. Et, euh, et en arriver maintenant à, à pourrir le truc, c'est dommage parce que c'est éloigné de toute réalité historique en fait. Certains ont pu remarquer qu'il y a eu, ces dernières années, ce qui s'apparente à de sacrés tours de magie. Pendant le Covid, la crise énergétique ou la guerre en Ukraine, tout d'un coup, des milliards sont apparus. Comme par. Euh, eh ben comme par magie. Et si c'était vrai Alors attention hein, on n'est pas en train de vous dire que c'est de la magie avec des elfes, des sortilèges, on est des gens sérieux ici. C'est que notre monde de progrès n'est pas sans mystère. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie, écrivait l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, Arthur C. Clarke. What are you talking about, huh? This conversation can serve no purpose anymore. Avec les banques commerciales, centrales, les subprimes, les assurances vie, les fonds souverains, les caisses de retraite, les hedge funds, les agences de notation, la technologie de l'argent s'est complexifiée. Et chacun de ces éléments interagissent pour créer des phénomènes qui peuvent nous sembler magiques. Et même pour les économistes formés sur ces questions, il est impossible d'avoir une compréhension parfaite du système monétaire et les débats pour tenter de le comprendre sont encore nombreux. Là, je suis pas du tout d'accord avec eux. Ils nous font comme si... On ne comprenait pas comment ça fonctionne. Alors qu'on comprend très bien comment ça fonctionne. Il y a plein de gens qui... Enfin, nous, on le fait sur cette chaîne. Il y en a qui le font mieux que nous, certainement. On comprend comment ça marche. Par contre, on ne sait pas... Enfin, on ne sait pas. Nous, on a notre petite idée. Mais en tout cas, les économistes débattent de quelle est la meilleure solution. Mais on sait comment l'argent fonctionne aujourd'hui. Enfin, on est capable de le faire sur un schéma. C'est compliqué. Hein, je ne dis pas que ça se comprend à un claquement de doigts. On a très bien compris comment ça marche. Et c'est voulu hein, qu'on ne comprenne pas, justement... C'est que si on nous enseignait ça au collège, on aurait bien moins de soucis. C'est mmh. ils nous prennent pour des cons quand même. Ouais, ouais. En gros, ils sont en train de nous dire que le monde est trop compliqué. En fait, c'est un peu ce qu'on avait deviné au début. Quoi, c'est en fait, on ne va pas réussir à vous expliquer. De toute façon, euh, c'est assez flou. Euh, tout ça, ça crée quasiment une sorte de, de système chaotique. Et, euh, et donc ils ne vont pas essayer de voir euh, un peu les, les grosses dynamiques qui sont en cours. Qu'il y a un moment donné, il y a quand même des, des lois assez simples, voilà, si tu augmentes le nombre de monnaies, bah normalement ta monnaie elle vaut moins. Euh, bon, Lui, <laughs> après, il va t'inventer plein, plein, plein de trucs pour te dire, en fait, ça ne va pas se répercuter. Euh, mais tôt ou tard, ça doit se répercuter. Et, et là, en plus, ils nous ont fait un autre tour de magie quand même. Attends, euh, parce qu'au début, ils parlent de la crise Covid. Mmh. Et ils disent, euh, voilà, il y a eu un tour de magie, d'un coup, on a trouvé de l'argent. Donc là où ils veulent en venir, c'est que à des moments, euh, quand c'est des trucs, on peut, et à des moments, on peut pas. Et donc ça va déboucher sur, bah, du coup, si on peut faire ça, nous, vu qu'on a de bonnes idées, ça. on va pouvoir le faire pour nos idées. Et en fait, c'est là où il y a toute la malhonnêteté, c'est que du coup, les, ils vont pas expliquer les conséquences de cette impression massive, ils vont juste dire, tiens, bah ça a été possible, donc c'est qu'on peut le faire. Et pour revenir sur ce qu'on disait avant. De dire qu'on est incapable de comprendre ces phénomènes, je trouve que en fait, c'est criminel de faire une vidéo de vulgarisation sur la monnaie magique et de ne pas poser son cul pendant cinq minutes et de se dire « tiens, je vais vous expliquer comment la monnaie fonctionne ». Parce qu'en vrai, là, on peut mettre un chronomètre. Je pense qu'en une minute, on est capable de décrire dans les très grandes lignes comment les, la monnaie fonctionne. En gros, tu as une banque centrale qui imprime de la monnaie centrale qui le donnent aux banques. Les banques ont un ratio à soi-disant respecté entre la monnaie centrale qu'elles reçoivent et la monnaie commerciale qu'elles émettent qui se retrouve sur nos comptes bancaires. Voilà. Déjà, là, au moins, on comprend le mécanisme d'émission principal. Et pour que cette banque centrale émette, il y a deux solutions. Soit, en contrepartie, c'est la dette d'un État, soit elles viennent directement sur le marché secondaire acheter des actifs financiers. Et là, du coup, c'est de l'injection de monnaie et ex nihilo. Mmh. Et je crois qu'on a quasiment ré résumé s'il faudrait juste pointer, parce que tu n'as pas vraiment prononcé le mot, c'est il y a un effet de levier, en fait, oui. sur le, le système de réserve fractionnaire. Si euh, elle a un, euh, un billet de 1 dollar, 1 euro de réserve de la Banque Centrale, eh ben si euh, après elle a le droit d'avoir 1% en réserve, ça veut dire qu'elle peut faire quasiment 1 fois 100. C'est à peu près ça, ce n'est pas exactement ça. Mais euh, donc, à chaque fois, il y a un coefficient multiplicateur qui fait que voilà, si la, la Banque centrale met 1 milliard qui a 1% de réserve, bah boum, on se retrouve avec 100 milliards. Voilà. Et, et ça a multiplié. Et puis après, il y, y a plein d'autres choses qui, qui débouchent. Mais voilà. voilà, vous avez à peu près l'idée. Et on l'a fait en deux minutes. J'ai regardé. voilà, On a fait à peu près deux minutes. Si vous-même vous le mettez en x 0,5, euh, bah, ça fait quatre minutes pour comprendre. Et eux, ils nous font une vidéo de je ne sais pas combien de temps. Alors, peut-être qu'ils vont l'expliquer après, hein, et dans ce cas-là, je m'excuse mmh. d'avance, mais pour l'instant, ce pas le cas en tout cas. Ouais, ouais mais... Non, mais. après, en gros, il faut aller regarder toutes nos autres vidéos, ouais. mais surtout peut-être celle avec, euh, avec Théo Mogenet, où on ouais. parle de tous ces mécanismes de l'école autrichienne. Mais euh, ouais, ce qui est important de comprendre, c'est que bah, chaque fois qu'ils font ça, c'est ils disruptent le marché, quoi. Ils... Ils empêchent les acteurs de pouvoir choisir quel business est intéressant, quel, quel investissement on devrait faire. Ils forcent l'investissement, ils forcent à avoir la préférence temporelle d'une certaine manière, parce qu'en fait normalement c'est la préférence temporelle, c'est la façon dans laquelle tu as confiance en l'avenir, confiance dans un projet. Et euh, si d'un coup tu baisses artificiellement les taux, donc tu es capable de prêter plus avec la banque centrale, avec les banques commerciales, bah tu, tu niques tout ce processus-là mmh. et, euh, et tu crées des mauvaises allocations du capital, tu crées des, des entreprises zombies et tout. Et ça, je veux dire, c'est des raisonnements qui sont quand même pas très compliqués mmh. à capter et ils vont jamais l'expliquer. Non et puis en plus ils prennent l'exemple du Covid. Par exemple, le Covid, on, ba on baisse les taux à zéro. Ce que ça veut dire socialement, ça veut dire que les gens, au moment du Covid, le, le signal que t'envoies, c'est tout va bien, les projections dans l'avenir sont nickel, il euh, y a un terreau fertile à l'investissement, let's go, on va investir. Alors que normalement, c'est l'extrême opposé. Sur un, ma un marché libre, les taux auraient dû exploser, monter au plafond, il y aurait eu plein de cadavres, hein, c'est clair et net. C'est le, 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 pro le projet hein, d'une crise et, euh, et après on repart sur de bonnes bases parce que le marché a fait le ménage. Mais en fait, c'est un non-sens total, ça ne reflète aucune réalité et ça. Euh, Mmh. Il voilà. ouais, y aurait plein de cadavres si le système avait été euh, biberonné tout le ah, temps, oui, oui. qui était le cas, hein. euh, mais euh, si tu avais déjà un marché avant qui était libre avec une monnaie saine et tout, euh, ce qui peut paraître un peu fictif, mais j'imagine juste un, un peu un bitcoin standard ou un standard or, en fait, les gens, ils ont épargné avant. Du coup, ils ont des réserves, ils ont un moyen de, de rester chez eux pendant la durée qu'ils souhaitent et pas celle qu'on leur impose. Pour euh, bah, vérifier que voilà, est-ce qu'il y a vraiment un virus qui est mortel, est-ce qu'il y a un problème. Et ensuite, ils font leurs décision de manière individuelle. Mais on ne va pas leur dire, toi, tu restes chez toi et en plus, tu consommes des produits Amazon parce que tu as un crédit qui est simple. Et Ça puis, tu oublies aussi un point c'est que pendant toute cette période, il n'y aurait pas eu aussi euh, plein de boîtes qui ont vu le jour, qui n'auraient jamais dû voir le jour parce que la rentabilité en fait était pourrie et la rentabilité était bonne, était bonne juste parce que les taux étaient très bas. Donc, en fait, le, le fait qu'il y aurait eu ces faillites après, c'est parce qu'avant, il y a eu une période de Toba qui a facilité l'investissement, une mauvaise allocation des ressources dans des trucs pourris dont personne ne veut, quand en fait, l'argent commence à devenir un peu rare. Et en fait, c'est tout le point, je pense, de, de cette vidéo. C'est que nous, ce qu'on défend, c'est que l'argent est une denrée rare. Ce n'est pas quelque chose euh, qu'on est censé pouvoir gaspiller. Parce qu'en fait, derrière une unité monétaire, il y a du travail, il y a de l'énergie, il, il y a tout ce que vous voulez, représentez-le de la façon que vous voulez, mais, mais il y a quelque chose derrière. C'est pas juste un, un bout de papier comme elle l'agite. Bon, Peut-être lui, c'est continuer. Technologie avancée, l'argent est magique. Des personnes ayant dédié leur vie à l'étude de l'économie font des déclarations dans ce sens. Maurice Salet, premier prix Nobel d'économie français, avait évoqué la présence d'une forme de magie afin de la dénoncer. Et Karl Marx aussi y conclut un chapitre à propos des moyens d'échange par De là, la magie de l'argent. Alors pourquoi est-ce que le macronisme aime répéter à tout bout de champ que l'argent. Ils viennent quand même de démontrer que Marx n'avait juste rien compris à l'économie du coup. Puis on voit leurs références de toute façon. Parce que souvent quand tu invoques la magie pour décrire un phénomène euh, euh, technique euh, que tu essaies de décrire, c'est qu'en en fait tu as abandonné euh, on va dire, la rationalité et tu dis bon euh, voilà je, je capte rien, euh, je, me, je me remets quasiment à la mythologie et je dis voilà il y a les, entre les mains de Dieu, Dieu. c'est ça. <laughs> voilà voilà comment comme Karl Marx voit l'économie, ça, ça en dit long sur tout le reste. Et pas magique, à quoi ça sert Et si elle existe où se situe exactement la magie de l'argent Tout ce qu'on peut faire, on peut se le payer. C'est un économiste qui a dit ça en 1942 et pas n'importe lequel, John Maynard Keynes. Si vous n'avez pas la ref... Ça fait euh, beaucoup de rêves pourris en, en peu de temps quand même. Tu commences par Marc. Maurice Allais, je connais pas, mais bon, s'il a été prix Nobel, c'est que ça doit être une belle merde. Il euh, bon, y a eu des bons prix Nobel, mais il faudrait Pareil que je crois qu'il n'y a eu aucun prix Nobel ah ouais. notable. Euh, si c'est si, si, pour avoir. j'ai les... que lui en tête. Ah ouais, non, mais et il a eu en même. Bon, on a fait un thread. J'ai fait un thread là-dessus. Euh, parce qu'il l'a co-eu mmh. avec un, un keynésien de bas étage. Et euh, je ne sais pas s'il y, y en a d'autres qui, qui l'ont eu. Et euh, quand tu vois des Paul Krugman là, qui n'arrêtent qui pas d'annoncer que Bitcoin va à zéro et qui ont fait des théories qui se sont toujours avérées fausses, tu te dis le prix Nobel, c'est quand même pas le meilleur indicateur. Voir, c'est l'indicateur pour te dire est-ce que tu es, es un mauvais économiste ou pro-système qui ne marche pas. Et, euh, et c'est vrai que quand on enchaîne ça, puis Marx, puis Keynes, bah c'est l'autoroute du bordel, quoi. C'est tu sais que ça mène nulle part. Donc il dit donc il disait là, tout ce qu'on peut faire, on peut le payer. On va peut-être attendre les explications, mais on sent déjà que voilà, ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est-à-dire en gros, euh, bah derrière l'argent, il n'y a rien en fait. C'est c'est un truc euh, qu'on peut imprimer autant que Argent qu on veut. magique, c'est la fameuse. La... C'est ça, on voit où ils vont en venir. C'est que j'ai pas l'impression qu'ils vont tirer sur Keynes. Alors après, peut-être qu'ils vont aller à l'opposé et qu'ils vont nous sortir euh, du Rosebar et, et du mi -16, mais j'ai quand même quelques doutes. Il faut, faut, ouais, faut presque faire attention parce que, en fait, à force d'utiliser leur vocabulaire, on les aide, mais quand on dit argent magique, en fait, c'est l'argent volé. C'est plus comme ça qu'il faut le voir. En fait, ils voient l'argent un peu comme un mec euh, qui fait ses courses au, à la FNAC sans passer par la caisse. Genre, où tu passes, tu prends tes iPhones, tu prends tes trucs. Et puis après, tu dis, eh, c'est magique, je n'ai pas besoin de les payer. Et ben eux, c'est un peu ça, euh, l'argent, en fait. Tu peux, euh, tout ce que tu veux, tout ce qu'on peut faire, on peut se le payer. Il suffit juste de créer des billets. Bon, après, euh, d'où vient la valeur du billet Ça, ils ne vont jamais nous l'expliquer. C'est peut-être parce qu'il y a un travail pour normalement obtenir la ressource qui est derrière le billet. Et si on ne sait juste de l'or, ce bah, serait euh, l'or. Mmh. Pour nous, c'est bitcoin, il faut le miner, il faut, faut faire du travail et c'est pour ça qu'il a de la valeur. Pour revenir sur le, le, juste la notion de vol que tu dis, c'est vrai que c'est important de comprendre que lorsqu'on imprime de l'argent, il y a de la monnaie qui est imprimée, donc qui a une unité centrale. Il y a quelqu'un qui va imprimer, il est obligé de le distribuer. Et vu qu'il va aller le distribuer, eh ben. On rajoute une unité monétaire sur une masse de monnaie. Donc on dilue forcément tout le monde. C'est là où on entend que c'est du vol. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller distribuer à quelqu'un. Mais en même temps, on va te diluer toi. Ce qu'on qu alloue à quelqu'un, on ne te l'alloue pas à toi. Et en plus, ça va avoir des conséquences sur le prix des, des actifs. Et c'est vraiment là où la notion de vol se situe. Et que les gens, faut il bien, faut bien intégrer ça. C'est tout le problème d'une monnaie inflationniste. — Je me reprends quand même. C'est pas parce que... <laughs> Il y a du travail, il y a l'énergie qui est dépensée dans Bitcoin que ça a de la valeur, parce que sinon là je reprends leur putain de théorie de valeur travail. C'est parce qu'il y a ça qu'entre guillemets ça fonctionne, que le système euh, il est sain mais c'est parce que c'est rare, parce qu'il y, y a un consensus social, parce qu'il a des caractéristiques qui sont que c'est intéressant de l'utiliser, euh, comme euh, la résistance à la censure, euh, le, le fait que ce soit de l'information que tu peux le, le, le diffuser de façon bon, instantanée et pouvoir euh, du coup transférer ton argent rapidement. C'est toutes ces choses-là qui font que ça a de la valeur, en tout cas que c'est perçu de manière subjective par tous les, les utilisateurs, mais ce n'est pas parce qu'il y a juste du, de l'énergie qui a été dépensée. Faut, faut pas tomber dans ce piège-là. On s'est déjà fait avoir par Mathieu euh, de la chaîne Livre et Riche. <laughs> vous avez un peu piégé là-dessus, donc euh, bien rattrapé. Keynes, c'est un économiste anglais du début du XXe siècle qui a proposé une manière différente de réfléchir aux crises économiques en disant, arrêtez de vous emmerder avec les contraintes financières, ce qui compte, ce sont les vraies richesses, ce que les gens produisent dans les champs, les usines, les bureaux. Si on a les ressources logiques... <laughs> <laughs> non mais... Here we go again. <laughs> là, ce qu'il te dit... C'est que, c'est vraiment tout ce qu'on répète en permanence, mais c'est que qu'on a créé l'argent euh, juste pour. Euh, c'est un jouet. En gros, on a, on a regardé des enfants jouer dans la récré, ils utilisaient des graines, on s'est dit, tiens, on va faire pareil, on est aussi con qu'eux. Et là, d'un coup, il y a Keynes qui arrive, il dit, non, non, on s'en fout, en fait. Ce qui est important, c'est que toi, tu fasses le travail, que tu sortes de la richesse. Après, comment vous vous organisez On s'en fout. Mais. C'est ce qui vient d'expliquer avant, c'est que le, la monnaie, ça sert à s'organiser, ça sert à, <laughs> c'est un système de, de comptabilité, de, ouais, c'est bah la scalabilité sociale. C'est, euh, plus que. Oui, le... mais puis même c'est une unité de compte. En fait, et là tu retires le fait que c'est une unité de compte. Mmh. C'est, c'est plus une unité de compte. C'est encore moins une réserve de valeur. Alors ça, bon, de toute façon c'était déjà mort et enterré. Et en fait, euh, non, non, ce qui compte en fait, et en fait. Euh, euh... Ouais, je ne sais pas où ils veulent en venir avec l'or. Euh, oui, c'est juste ce que tu vas pouvoir retirer du sol et tout, mais je sens que, je sens que ça pue. Bah, ça, ça me fait vraiment penser à tu sais, la, la phrase de Keynes qui dit que l'or, c'était un artefact... Euh, comment il appelait ça Une relique ça barbare. Une relique barbare. Et, et donc, euh, les, les contraintes que ça mettait sur les, les politiques publiques, les politiques de relance, pour pouvoir euh, bah, euh, refinancer et créer de la monnaie qui, pour lui, en fait... Euh, bah ouais ça agit juste comme une contrainte ils, ils voient pas l'intérêt en fait que ouais. ça ça donne du sens en fait c'est de l'information quand, quand tu, tu, tu transmets de l'argent à quelqu'un tu lui donnes l'information que tu as les ressources qu'il y a un travail qui a été fait qu'il y a toute une organisation et quand t'enlèves ça tu sais pas tu sais plus comment allouer coup, comment gérer les tu, prix Tu euh... circule tous les échanges tu biaises les prix les prix c'est de l'information Finito. <laughs> et, et tu te rapproches indéniablement d'un régime socialiste. Ah oui, de toute façon, parce qu'il y, y a plus de, de les, les prix ne marchent plus et comme c'est la, la base mmh. du système capitaliste, de l'allocation des ressources et, euh, et de la gestion de la rareté en fait, et bah tu, ouais. tu niques tout le système. Et je pense que c'est là où Keynes a fait le plus mal à l'humanité, c'est que vu qu'il se revendique capitaliste et euh, bah, en fait c'est sur lui qu'on a basé le terme néolibéral, c'est qu'on l'associe au libéralisme et au capitalisme. Ce n'est pas du capitalisme, ce n'est pas du libéralisme. C'est juste un moyen détourné d'arriver au socialisme et de le faire passer pour le grand méchant capitaliste. Parce que en fait, ça veut dire pile y gagne, face on perd. Bah, son truc marche, cool le socialisme, ça marche. Et au pire, on fait passer ça pour du capitalisme. Mais dans, si ça marche pas, ah bah, c'est le, le capitalisme parce que c'est Keynes et c'est du néolibéralisme. Donc en fait, dans tous les cas, on est baisé. Donc il faut arrêter d'associer ça à du néolibéralisme, enfin, ou associer le du néolibéralisme enlever, enlever le sens du libéralisme là-dedans, parce que c'est du socialisme, pur et dur. Stick. Physique, si on a les matériaux, les bras pour faire quelque chose, alors la question financière ne devrait même pas se poser. C'est ça le sens profond de l'argent magique. Les contraintes financières s'effacent derrière la volonté politique. C'est la guerre, peu importe combien ça coûte, on y va. Il faut sauver les banques, leur effondrement poserait trop de problèmes, alors on les sauve. Il faut confiner les gens chez eux et les payer à ne rien faire pour sauver des vies et éviter que l'économie ne s'arrête. Quoi qu'il en coûte, Là aussi. C'est pour ça que l'argent est magique. Les contraintes financières semblent pouvoir s'effacer. Mais en même temps, vous savez bien comment votre tonton Réac là va réagir si vous lui parlez d'argent magique. Ben voyons, l'argent magique. Et puis quoi encore L'argent, c'est pas comme les pommes, hein Ça pousse pas sur les arbres. C'est du bon sens, ça. Alors là, normalement, vous avez immédiatement envie de. T'en mettre une. Ouais, mais ça, c'est l'utilisation du ben voyons. Ça irrite. Eh bah, ben voyons. Mais la différence entre les pommes et l'argent, c'est que la monnaie est une ressource illimitée. Même pas besoin d'un arbre pour pousser. Sa création ne dépend que de nous. Et... Là, c'est. Bon, en fait, on va, on va, on va si on, on y réagit ça fait écho à tout ce qu'on vient de dire, mais. C'est fou de débiter autant de conneries en si peu de temps. Ça fait six minutes qu'on regarde. Ils ont dit que de la merde. Bon, d'un côté, pour une fois, ils ont vraiment cité Keynes avant, donc tu sais d'où découle leur théorie. Mais d'affirmer ça. Comme une vérité absolue, je trouve que c'est criminel. Parce qu'en gros, c'est l'argent est une ressource illimitée. Et juste rien que le fait, au final, qu'elle le dise pas dans sa phrase. D'après Keynes, c'est une ressource illimitée. Voilà pourquoi. À la limite déjà, ça passerait mieux, même si ça reste ouais, faux. Mais au final, c'est un peu comme nous quand on affirme des choses, c'est que... que. nous, c'est vrai. <laughs> ouais, non, mais c'est ça, c'est que c'est notre compréhension, ouais, non, notre mais... logique, on arrive à vous expliquer. On pense qu'on arrive à vous convaincre, mais est-ce que vous êtes convaincu par ce qu'elle dit? <laughs> Est-ce que, est -ce que, ah, est est -ce que vous avez envie, vous, d'utiliser l'argent de, de manière spontanée, qui est illimitée Genre, c'est quoi Pourquoi pourquoi on le fait Ça profite à qui Genre, si, si elle est illimitée, pourquoi on n'en a pas tous plein et En fait, c'est là où ils veulent en venir. Hein. C'est que, en fait, il suffirait d'avoir plein, plein, plein d'argent partout, et bah, tout vaudrait un million, on serait tous milliardaires, mais euh, on serait toujours ça. aussi pauvres. Ouais. C'est ce que rappelle le président de la Banque Centrale Européenne en 2016. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que ce n'est pas sans conséquence de créer ou de détruire de l'argent. Ah, oh, il est commencé à dire quelque chose pas mal. Là. Non, mais je voulais juste rappeler un truc. Par contre, Bitcoin, et il n'y en aura pas une infinité. Il n'y en aura millions. que 21 millions. Et c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup. Et ça en fait une sacrée qualité. C'est important de le dire, surtout quand vous voyez qu'il y a quelque chose d'infini. Comparé à quelque chose de fini, vous pouvez diviser l'infini par ce que vous voulez. Du moment que c'est fini, ça vaudra toujours l'infini. À bon entendeur. Jusqu'à ce que l'autre meure, en fait. Quand ça vaudra l'infini, c'est que l'autre est mort. C'est ça. Même quand c'est magique, il y a toujours des règles, des limites. Mais en attendant, il faut retenir que 1. S'il faut des ressources pour produire des richesses, l'argent est la seule ressource non rare de l'économie. 2. La richesse. Alors là, je trouve que c'est encore pire de l'énoncer comme ça, comme des règles que tu vas écrire dans tu imagines le mec qui regarde ça et qui se dit tiens je vais prendre des notes parce que j'ai envie de comprendre l'économie et il commence par le truc le plus faux qu'il qu a jamais entendu en économie et là il se retrouve dans vraiment la middle curve tu sais il est tout en haut je suis un génie, le cousin, un génie. Oh, putain puis après il y a un connard comme nous qui va lui dire mais tu sais il y a aussi des théories, des, des théories un petit peu différentes et là tu te tous les font... gens qui sont en train de massacrer là ouais. parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent leur vidéo maintenant mais en plus je crois que cette vidéo elle a, elle a super bien marché il faut vraiment que vous partagiez notre vidéo. Hein. Parce ouais. que là, là c'est pour faire du bien, le bien à, à l'humanité. Hein. C'est le bien commun, bordel le vrai. <laughs> parce que, euh, non, l'argent, c'est rare. Et heureusement que c'est rare. Et ça devrait être plus rare. Parce que sinon, en fait, on ferait n'importe quoi. Et c'est ce qu'on fait. Mais c'est ce qu'on fait. Et d'ailleurs, c'est là où je trouve que ces gens-là, qui sont profondément écologistes, mais les écologistes 2.0 complètement tarés, qu'ils ne se saisissent pas de ce souci. Parce que si la richesse, enfin, du coup, pas la richesse, mais l'argent était rare et que donc ça limite les allocations de capital, on en comprend que donc si ta monnaie est de plus en plus rare, ça qu'elle a de plus en plus de valeur, donc ça s'appelle la déflation, donc tout baisse en pouvoir euh, par rapport à ton pouvoir d'achat, et donc qu'est-ce qu'on en déduit Qu'on est moins incité à consommer. Moi, demain, on me dit que mon... Bah, D'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec... C'est pour ça que nous, on vit sur un, une sorte de Bitcoin standard, où on, on, la, on essaye de tout voir à travers Bitcoin, et on se dit, bah euh, là, plutôt que d'acheter, je ne sais pas, ce, ce vélo euh, mieux que celui que j'ai actuellement. Je n'en ai pas forcément besoin. Je préfère attendre deux ans. Mon bitcoin ou ma monnaie déflationniste vaudra sûrement plus cher dans deux ans. Donc, je retarde ma consommation. Donc, je consomme moins. Et moins consommer, c'est, 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 c'est écologique. Enfin, en tout cas, selon leur définition, etc. Mais même d'un point de vue objectif, si tu consommes moins, tu gaspilles moins d'une manière générale. Les incentives sont meilleurs, Tu es plus incité à utiliser ce dont tu as besoin. Et en fait, c'est un cercle hyper vertueux. Et ça, eux, ils l'enlèvent complètement de leur logiciel. En fait, eux, leur seule solution, c'est d'imprimer pour donner aux copains, fabriquer des éoliennes et sauver tout le monde. Ça ne marche pas. Et en plus, si derrière, ils nous prônent la décroissance avec une monnaie inflationniste. Mais comment tu rejoins les deux bah, Ça rejoint une des vidéos qu'on a faites là, une réaction à une vidéo de Blast où le mec t'expliquait qu'on allait imprimer et donner à qui qui voulait. Je vous invite aussi à aller la voir. Une masterclass. En gros, ce que tu décris, c'est l'économie. <laughs> C'est la, grand... ge... la gestion des ressources rares euh, et comment les humains s'organisent pour, euh, pour faire le plus avec le moins possible. Et eux, en fait, ce qu'ils écrivent, c'est pas l'économie, c'est le socialisme. C'est t'as euh, un rêve et j'irai jusqu'au bout. Ouais. Et, et là, et tu vois, ils, ils écrivent à l'écran. La richesse, c'est ce qu'on produit. Non. Mais en fait, moi, je chie tous les matins, ça vaut jamais rien. <laughs> J'en produis des choses. Hein. Ouais, et puis, même ce que tu produis, il faut bien le labelliser, il faut bien qu'il y ait une unité de compte pour le valoriser. Sinon, comment tu valorises ce que tu produis Comment tu sais que ça, comparativement, ça a telle ou telle richesse Enfin, ça représente telle ou telle richesse. C'est que sans monnaie, on est incapable de savoir si la carotte qu'on a extrait de terre vaut autant que la poêle qu'on a dans notre cuisine. C'est un putain d'étalon. Sans monnaie et sans individus qui sont libres de aussi. faire leurs décisions, de. de, de, de de valoriser la, le, la chose qu'on a produite pour que ça devienne une richesse. Ou en tout cas, ouais. bon, si tu le fais pour toi, toi tu sais que ça, ça vaut tant à tes yeux. Tu as préféré faire euh, produire, je sais pas, cette canne à pêche plutôt que d'aller dormir. Donc ça vaut plus qu'une euh, qu sieste. Mais, mais voilà, il faut que tu aies des agents qui soient libres de prendre leurs décisions et ils ont besoin d'une monnaie pour exprimer leurs besoins. Et sans ça, ça marche plus, quoi. C'est ce qui pousse dans les champs, ce qui sort des usines ou des bureaux. Ce sont les soins délivrés, les connaissances acquises et transmises. Et trois, ce qu'on peut faire, on peut se le payer. C'est-à-dire que la contrainte financière est la dernière des contraintes, celle qui. Mais je suis désolé, mais énoncer comme ça en règle, euh, quasi religieuse, une citation de Keynes, c'est un crime contre l'humanité en fait. Genre ça se saurait si Keynes avait dit quoi que ce soit d'intelligent. Euh, bon, euh, j'abuse parce qu'il a sûrement dit plein de choses intelligentes. Mais en tout cas, il a fait beaucoup de mal au monde, et de le citer comme ça, alors qu'en fait, leurs valeurs sont en plus à l'opposé de ce qu'ils ce qui prônent, parce qu'ils sont soi-disant écolo et, et humaniste, là, je, je trouve ça mais délirant. Voilà, c'était juste l'aparté. Mmh. Enfin, J'essaye bien d'internaliser euh, ce que signifie vraiment ce qu'on peut faire, on peut se le payer. Bah, pour moi, Genre... c'est exactement le fonctionnement de la dette. C'est-à-dire, en gros, Keynes, il part du principe que demain, on est tous morts, ça c'est lui qui le dit. Donc... Aujourd'hui, on peut tous payer, vu que de toute façon, tout est dette. Et eh ben en fait, on, va on peut aujourd'hui tous payer, ce qui, en fait, dans son logiciel est réel, mais on va tout remettre sur le futur. C'est une dette, c'est, bah, euh, aujourd'hui, tu vas me faire ça, et je te rendrai ça plus quelque chose dans 5, 10, 20, 30, 50 ans, peu importe, et vu que de toute façon, bon, je considère que je serai mort d'ici là, ce sera ton problème, pas le mien. Donc, en fait, ce qu'il dit dans son logiciel, c'est vrai. On mmh. peut tous payer. À quel prix Ça, c'est une question à laquelle il a jamais répondu être la plus facile à lever. Mais forcément, plutôt que de débattre en toute intelligence sur l'utilisation de milliards sur tel ou tel programme, ce qui peut prendre du temps, on va utiliser une solution de facilité, en disant de manière un peu condescendante qu'il n'y a juste pas les sous. C'est vos enfants qui le payent quand c'est pas vous. Ok, Ce graphique montre l'évolution de la quantité d'argent en zone euro. Si ça monte presque tout le temps, c'est parce qu'une économie capitaliste, ça ne fonctionne correctement que s'il y a du nouvel argent qui rentre régulièrement dans le système. C'est à... Ouais, bah, je, on vous laisse là, si euh, y répondre <laughs> tout, tout seul dans votre champ, je crois que vous avez compris. Hein, mais... Une économie capitaliste la la, Le seul problème, s'il y a une monnaie en quantité limitée, c'est la divisibilité de la monnaie. C'est-à-dire que vu que les prix vont baisser, oui, si on s'arrête au centime d'euros il y a un moment où bah, en fait, on va couper les pièces de un centime, et là c'est chiant. Mais à l'heure où les monnaies... Sont numériques, donc en, en théorie infiniment divisibles, à l'heure où des monnaies comme Bitcoin existent, qui sont limitées, déflationnistes et infiniment divisibles, le débat ne se pose pas. Mmh. Et ça, c'est vraiment, je pense, qui a fait aussi le plus mal, c'est de faire croire qu'il faut augmenter la masse monétaire pour que l'économie capitaliste fonctionne. Et pour ça, je vous redirige vers un article d'Ulrich, euh, je crois que c'est sur son blog, sur le PIB, à quel point le PIB est une, une mesure de l'économie pourrie. Parce qu'en fait, le PIB, ça mesure juste en fait l'injection de monnaie dans le système, parce que plus ben, on va augmenter la, la quantité de monnaie, donc ça va augmenter les recettes de tout le monde, croissance, magie. Et en fait, ça mesure rien du tout. Bref, ça c'est une aparté pour la culture. Je vous conseille vraiment d'aller lire ça. qui apparaît par magie existe bel et bien. Mais ça ne nous dit pas à quoi sert cet argent magique qui se crée. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste une quantité fixe d'argent Ok, là, il faut un schéma. Les gens bossent dans des entreprises. Les entreprises proposent des produits à la vente, les richesses. Et c'est parce que ces richesses sont achetées que les entreprises font du chiffre d'affaires, ce qui permet de payer les salariés et les actionnaires. Donc les dépenses des consommateurs et des investisseurs engendrent les revenus des travailleurs et des actionnaires. Dit autrement, les dépenses des uns font les revenus des autres. Et c'est la somme des richesses achetées sur une année qui forme. Le PIB. Donc, les dépenses font les revenus qui font l'épargne, qui permettent de nouvelles dépenses. J'ai mais... viens d'avoir une, une, une révélation, oh. mais euh, en fait, là, ils comptent tout euh, sous forme d'unités monétaires. Donc, euh, plus il plus y a juste d'unités monétaires qui circulent, mieux c'est. En fait, ils n'en ont rien à foutre. La euh, la mais en fait, c'est ce que tu dis oh, toujours. mais la qualité. Mais, hein. <laughs> mais ouais, mais là, d'un coup, ça, ça me rentre dans la tête et je me dis, mais ouais, en fait, eux, peu importe que tu achètes de la merde, que tu consommes mal, que t'en es en fait, pas pour ton argent. Euh, c'est pas tant un... t'en as plus, c'est bon. Ouais, non, même pas. Si t'en as plus, c'est plus tu dépenses. Oui, oui. oui. En fait, tu pourrais acheter tous les ans la même chose, euh, même si ça se dégrade, tant que tu l'achètes plus cher, bon. pour oui. eux, c'est mieux. Oui, c'est ça. Bah oui, parce que aujourd'hui tout monte, le PIB monte. Ouais. Donc on est plus riche. Mais ce qu'ils ont oublié de leur, de leur truc, c'est la valeur de cette unité monétaire. Parce qu'en fait, là, là, on voit bien dans leur, dans leur flux, ils ne montrent que des flux d'argent et on voit jamais en fait vraiment les ressources qui sont créées. Est-ce que, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est créé Est-ce qu'il y, y a quelque chose dont les gens euh, ont envie Est-ce que le produit de l'année dernière il est meilleur et le, le produit est que l'année dernière on ne sait pas. Et en plus, là, dans son schéma, ils oublient un grand truc. C'est qu'ils partent des consommateurs, entreprises, travailleurs et actionnaires. Comme si c'était un flux one-to-one. One. En fait, c'est un, un cercle. C'est-à-dire que les, c les mêmes gens qui consomment sont eux-mêmes travailleurs, sont eux-mêmes actionnaires. C'est-à-dire qu'en fait, si tu les fais dépenser plus, ça fait augmenter plus les revenus de l'entreprise. Mais en fait, ça fait aussi plus augmenter leurs revenus. Donc en fait, un, en fait dans leur truc, en fait, au final, on est quand même sur un jeu à somme nulle à la fin. C'est-à-dire que tu peux les faire dépenser plus si tout augmente, bah, ils vont juste gagner plus, mais en fait, on a créé un truc artificiel, ça monte artificiellement. Le seul truc qu'ils oublient de préciser là-dedans, c'est qu'en injectant de la monnaie, euh, de façon bah, ciblée comme ça, on va avantager plus certains que d'autres. Parce que bah, sinon, ça ne marche pas. Mmh. Ouais, alors alors qu'au final, la vraie richesse qu'il y a dans, dans ce schéma, normalement... Euh, C'est le cerveau humain en fait. C'est sa capacité à innover, à voir des ressources là où personne ne l'avait vu et à y être plus efficient, à créer davantage avec moins et donc d'être capable de, de faire moins de travail pour obtenir plus. Tu, tu es en train de dire que les capitalistes sont les plus grands écolos de l'histoire de l'humanité <laughs> Oui. Et, et là, eux, en fait, ils, ils voient juste ce qu'ils ont envie de voir cet argent que les gens ont, qui est mauvais, qui augmente. Ouais, bah Charles. Pour ça, euh, alors, je ne l'ai pas ici. Euh, mais c'est ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas de Bastia. Parce que là, tu prenais après un peu sa référence. Euh, ce qu'on voit, c'est ce qu'eux ont l'air de voir. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est tout ce qui se passe derrière. Et normalement, un bon économiste, comme Bastia le dit, c'est celui qui est capable de voir les effets à long terme d'une décision jusqu'à der jusqu la dernière personne impactée par une décision. C'est pour ça qu'on en arrive souvent à la conclusion qu'il vaut mieux ne rien faire et laisser les gens gérer. Parce que ce serait assez prétentieux de, de pouvoir prétendre anticiper tous les effets de bord. Et eux, en fait, c'est l'opposé extrême. C'est-à-dire, on comprend rien à rien, mais on va tout faire, et puis après, on verra. Là, on a l'impression que seules les entreprises privées fabriquent des richesses du PIB, mais c'est faux. Les services publics, eux aussi, participent au PIB avec leurs richesses d'éducation, de soins, de ramassage d'ordures, de sécurité, de justice, etc. Et bon, à de doigts d'oublier que tout ça. Euh... Ça peut se privatiser, mais ça c'est encore un autre débat qu'on va pas ouvrir ici. Euh, et puis oui, ils ont fait bien fait de leur rajouter le public, parce qu'en France, c'est quand même 60% du PIB, donc c'est pas que dalle. Et puis celui qui va me dire dans les commentaires que la France est libérale, hein, bon, on s'entend. Donc euh, et puis hein, ça se saurait si le public crée de la richesse. Ils sont quand même vachement payés à boucher des trous et bon, à en les... fait, enfin, créer des trous et les reboucher. C'est comme euh, ce que tu venais de dire avec Bastia, c'est ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Bah toi, tu te balades, tu dis, bah oui, ils ont créé plein de choses, regarde, il y a des hôpitaux, il y a des routes, il y a des trucs. Mais en fait, ils ne sont pas passés par le marché, ils ne sont pas passés par la concurrence. Et peut-être ce qu'ils ont fait pour, je sais pas, 10 unités de ressources, des euros, et bah toi, tu aurais pu le faire pour 5, pour 4, pour 3. Et eux, en fait, ils crament des ressources comme ça. Et pour eux, comme, de toute façon, c'est de l'argent magique, comme ils le disent, que derrière, il n'y a aucune réalité économique, physique. Bah, en fait, que tu dépenses un million, un milliard, sais rien, on s'en fout. Tant que ça répond euh, à, au délire d'un socialiste, euh, bah, tant mieux. Parce qu'en fait, le marché est inefficient, il ne serait pas capable de le faire. Mais en, dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y aura bientôt une vidéo qui va sortir là-dessus avec Stéphane Gers, où euh, on, va re, on va revoir tous ces, tous ces, principes. ces sophismes économiques. Exactement. ...pour qu'ils soient accessibles à tous sans condition de revenu, sont financés soit par l'impôt, soit par le déficit public. C'est-à-dire en partie par l'argent magique. Voilà. Hein. <laughs> Je fais la traduction. Dans les deux cas, ça s'appelle du vol. Puisque l'impôt, c'est du vol. Allez, admettons, on se met dans, une, dans un système minarchique avec un tout petit État. Un impôt minimal, allez, cadeau. On va pas revenir sur ce sujet-là, sinon ça va être trop long. Mais un impôt qu'on a aujourd'hui en France, ça s'appelle du vol, c'est de la spoliation. Donc pour que ce soit accessible à tout le monde, sous-tendu que ce ne serait pas accessible à tout le monde dans, dans l'autre cas, ce qui est complètement faux, c'est juste que les gens bah, prioriseraient leurs besoins et ne seraient pas biberonnés à l'argent magique sur Ah bah tiens, on va te donner la santé, mais par contre, tu ne mangeras pas ce mois-ci. Bref, c'est un autre sujet, ça aussi. Ça s'appelle du vol. L'impôt, c'est je prends aux autres pour distribuer à quelqu'un de façon discrétionnaire, c'est-à-dire. Une, un organe central qu'on appelle État va prendre à tout le monde et dire tiens je vais dire là là et là. Le déficit c'est en, encore pire, c'est-à-dire qu'on on va vous prendre dans vos poches, mais en fait on n'en a rien à faire parce que de toute façon on va imprimer et on fera quand même ce qu'on veut. Donc c'est bien qu'il parle de, du déficit parce qu'en fait le déficit c'est l'impression monétaire et à partir du moment où il y a impression monétaire l'impôt est injustifiable. C'est-à-dire qu'on comment justifier qu'on prenne dans les poches de chacun à partir du moment où on est capable de faire la même chose mais sans prendre à personne. Bah, allez bah, faites ça. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc quitte à se faire baiser, autant se faire niquer jusqu'au bout. Qu'on ne vienne pas nous écrire sur nos, sur nos salaires, on va bah, prendre le temps. Imprimer, et puis voilà, qu'on qu qu aille jusqu'au bout de l'idée. Parce que c'est ça, en fait, le, le problème. C'est encore pire. Ça veut dire que quand on imprime, on va juste prendre à tout le monde. Mais même là, la notion de consentement, mais c'est sur une autre planète. Parce qu'un déficit, c'est quoi eh ben, C'est financer des dépenses par autre chose que des recettes. De la dette. Alors, il y a la dette qui vient de l'argent qui existe déjà, celui que vous empruntez à votre voisin. Ça, c'est de l'argent, pas magique. Puis il y a la dette qui vient des banques. Ça, c'est de l'argent magique. Mais de la dette pour financer un déficit, c'est un truc courant et normal. Les entreprises font ça quand elles investissent. Vous faites ça quand vous achetez un appart ou une voiture à crédit. Vous dépensez plus que ce que vous gagnez. Pour les entreprises et les particuliers, on parle d'investissement. C'est plutôt connoté positivement. L'investissement, la croissance, tout ça. Pour l'État, on parle de déficit. Là, c'est carrément négatif. Mais comptablement, c'est la même chose. Et c'est pour ça que ce que dit Macron. Ils oublient, ils oublient quand même un détail, c'est que les entreprises et les gens le décident eux-mêmes et engagent leurs responsabilités, ils sont endettés à vie, euh, etc. Si ça ne marche pas, l'État, on s'en fout. Hein. Déjà, c'est personne. Et, euh, et si l'investissement, si, si enfin, du coup, si on appelle ça investissement, n'a pas le retour escompté et n'est pas productif, ce qui est le cas, vu qu'ils sont tous les ans en déficit. C'est pour ça qu'on parle de déficit au final et pas d'investissement. C'est qu'on sait d'avance qu'on ne verra pas cet argent. Parce que si tout ce qui faisait rapporter de l'argent, eh ben on appellerait ça un investissement. Ce n'est pas le cas. Mmh. C'est parce qu'à chaque fois, en fait ils vont invoquer le fait que l'État dépense là où personne ne voudrait le faire. Ce qui a peut-être une raison. <laughs> N'est pas complètement vrai. Soit c'est vous qui payez, sous-entendu plus d'impôts, soit ce sont vos enfants. Hein, parce qu'on s'endette, sous-entendu plus d'impôts pour eux quand il faudra rembourser. Sauf qu'en fait, une bonne dette, elle se rembourse grâce au développement économique. Parce que investir dans les hôpitaux, l'école, la justice, la police peut permettre à la population de mieux vivre, de mieux travailler et donc de générer plus de PIB. Si c'est le cas, il ne sera pas nécessaire d'augmenter les impôts de nos enfants. C'est vrai qu'en fait, il faut forcer les gens à investir là-dedans. Parce qu'en fait, qui va investir dans l'éducation de ses enfants Qui va investir dans, dans la santé de ses enfants <laughs> C'est des, des concepts qui sont tellement dépassés aujourd'hui. Oui, mais ouais, qui va chez le médecin quand il ne se sent pas bien Moi, à chaque fois, c'est le dernier truc que j'ai envie de faire. Hein. C'est tellement, tellement débile de dire... De, en fait, d'infantiliser les gens comme si, en absence d'État... D'ailleurs, c'est vrai que depuis le début, on n'en parle pas. Mais <rire> <rire> oh. <rire> on n'est pas biaisé hein. Mais... Euh, mais c'est comme si, en absence d'État, les gens devenaient des espèces de gros débiles. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde cool. On n'a souci de rien, machin. Et il faudrait. On gagnerait peut-être un petit peu à plus se responsabiliser, à plus faire attention, et peut-être plus à se dire bah, écoute. Euh la santé, c'est pas gratuit, euh, donc de toute façon, je l'y mettrai de ma poche parce que j'ai pas envie de crever de maladie. Euh, mes enfants, n'ai pas envie qu'ils soient teubés, donc bah, je vais payer pour une école, etc., etc. Et vous verrez que, en fait, le fait que ce soit le privé qui s'occupe de ça tirera le prix, les prix vers le bas. C'est toujours comme ça que ça s'est passé pour tous les produits, c'est que par définition, ça réduit les coûts, alors qu'avec l'État, ça ne fait qu'augmenter. chercher l'erreur. Mmh. Et en plus, tu dis. Genre, ça va faire en sorte de, de créer de la compétition, de, de, de tirer les prix vers le bas, mais ça va aussi pousser les gens à se responsabiliser, essayer de faire en sorte d'être moins malade, moins obèse, moins avoir des problèmes de santé, fumer moins, peut-être pas. T'as même plus besoin de mettre des taxes de, de, de fou sur la clope. Juste si tu payes les conséquences de tes actes, bah les gens, ils commencent à réfléchir un peu différemment. Et je pense que dans un monde où il y aurait moins d'États, moins de vols, et où tes impôts seraient pas à 60%, bah, tout le monde serait peut-être plus enclin, euh, quand il y a un mec qui lui demande de l'argent ou qui est vraiment dans la merde, il va lui tendre la main parce que de toute façon, il sera plus riche, il sera plus en capacité, <laughs> il se dira, bah, de toute façon, il n'y a pas un état qui arrive en dernier recours pour aider ce type de personne. Donc, il, il y aura une relation qui sera plus courte, en fait, entre chaque individu et ça va recréer un vrai esprit de communautarisme, de communauté, d'entraide. De, pas euh, cette espèce de faux truc qu'on appelle l'État qui est censé tous nous aider et nous protéger. Et puis surtout que quand c'est de l'argent qui est donné de façon privée, donc de l'argent des gens, bah on fait bien plus attention où va l'argent. Alors quand c'est l'État, bah on donne à l'État et puis après euh, ça disparaît. Mais quand c'est mon argent, bah je vais quand même aller vérifier que ça va bien aider quelqu'un et que ça va pas aller dans les poches d'un mec qui a fraudé l'assurance ou qui a fait je sais pas quoi. Mmh. C'est là aussi où il faut comprendre toutes les incentives. C'est pas juste privatiser pour privatiser. Bref, fait en gros, gros. Nick Letta, Nick Letta. quoi. Et merci libertarien pour <laughs> euh, ce super t-shirt. Hein. On l'a acheté. Hein. Il n'a pas été offert. <laughs> L'investissement se remboursera tout seul par le développement économique. Plus de PIB, c'est plus d'argent taxable et donc plus de richesse. Et c'est bien de souligner ça. C'est que vu que ils sont obsédés par les flux, faut pas oublier que n'importe quel flux d'argent, c'est plus de taxes. Et elle l'a très bien dit. C'est l'État s'engraisse en plus là-dessus. C'est que c'est pour ça que Keynes a très bien compris comment fallait parler à un État. C'est qu'il lui a dit, tu vas pouvoir te financer comme tu veux, et en plus, on va maximiser les flux avec mon système, et vu que toi tu prends une taxe sur tous les flux, parce que dès qu'il y a un échange, il y a taxe, et eh bien tu vas voir, ça va ralasse. Et eh bien ça a très bien marché. ce qui risquerait de se produire si on laissait nos services publics périr en n'osant plus investir dedans. Là, nos enfants pourraient en souffrir. Le drapeau américain qui, qui vole derrière, c'est criminel de faire ça. C'est vrai que nous, nos services publics vont tellement bien, qu on en, qu on est tel, que le monde nous envie tellement de mourir dans les, dans, dans les files d'attente aux urgences, d'attendre 7 heures pour voir un médecin. C'est vrai qu'on nous envie tellement. Je ne dis pas que les États-Unis sont parfaits, hein, mais les États-Unis sont socialistes. Donc, de toute façon, ça, la sont, vision. Ils sont exactement au même niveau que nous, ils ont les mêmes dépenses que nous. L'Obamacare aujourd'hui, c'est quoi Et même avant qu'il y ait ça, il y avait d'autres problèmes. Et tout leur système, en fait, est tellement euh, vérolé, verrouillé. Il y a tellement des règles de partout qu'en fait, il est absolument pas libre. Les, les assureurs, ils, ils sont, ils sont contraints à, à, à faire certains choix qui font que ça augmente le prix de tous les produits, de tous les, les s'appelle les, les prestations. Qui mmh. fait que tu es obligé d'être assuré à la mort, à la fin, un truc qui est censé te coûter 500, ça te coûte 10 000. C'est c'est pas du libre marché. C'est ça, c'est qu'à la limite, au moins, qui désigne un vrai ennemi euh, capitaliste dans son truc. Mmh. Mais les États-Unis, là, c'est un très mauvais exemple. Il faudrait qu'on trouve un article ou une vidéo euh, sur ce sujet, ou même qu'on la fasse à la fin, parce que tout le temps, tout le temps, il reparle des États-Unis comme si c'était. Euh... Le, le graal du capitalisme et tout, mais aujourd'hui, s'il y a bien un endroit qui n'est pas une... très capitaliste, <laughs> qui n'est pas capitaliste, ouais. qui est, en fait, qui est comme nous, hein, quasiment. Ouais, Juste ils eux, amis. ils ont le privilège d'avoir la monnaie de réserve mondiale et, et, ils, et ils profitent du, du système du... qu'on a en Europe, mais eux, c'est à l'échelle mondiale. <laughs> Ça, plus le fait qu'il y a quand même certains États qui s'en sortent mieux, mmh. parce que une... c'est bien plus décentralisé que chez nous. Donc les États-Unis, en plus, ne sont pas un pays homogène. C'est que tu vas dans le Texas par rapport à la Californie, c'est pas la même ambiance, hein. Pas les mêmes taxes, pas les mêmes contraintes, tu vis pas de la même façon. Donc c'est ça, en plus qu'ils oublient, c'est que eux, les États-Unis, c'est un grand truc comme ça, c'est une fiction, sa description n'existe pas. Si les services publics devenaient privés, un, ils nous coûteraient sûrement plus cher, et deux, tout le monde n'y aurait plus Absolute. accès. Bon, et puis aussi, on pourrait se demander si c'est bien justifié de rembourser de l'argent fabriqué <laughs> par la magie des banques. Hein, après tout, rembourser votre voisin, bon, ok, mais rembourser une planche à billets, pourquoi est-ce qu'on s'impose ça et puis, un investissement qui génère pas... Ta... Oui, c'est débile ce qu'il dit, là. Si, tout, si plus personne se met à rembourser une planche à billets, c'est-à-dire qu'on imprime de la monnaie autant qu'on veut, tout le monde peut aller se servir. En fait, il y a des distributeurs de billets dans la rue. On va chercher, on prend. C'est un non-sens. C'est le niveau zéro de la réflexion. En fait, il fait vraiment appel à tous les débiles. Si vous écoutez ce mec, et qu'à la fin, vous prenez des notes, vous repartagez autour de vous, et vous dites « c'est normal », en vrai, vous avez un QI négatif. <laughs> Genre, il n'y a rien d'autre. Est-ce qu'on nous a expliqué, nous, ça, quand on était euh, étudiants et tout on a, on a dit oui aussi On a non, eu un QI non, négatif non. comme ça Je crois pas. Je crois pas génial. parce qu'il n'allait pas aussi loin dans cette vidéo à l'époque. Mais honnêtement, te dire qu'on n'a plus besoin de rembourser les gens qui nous prêtent, on se rend bien compte qu'à un moment, le truc, il va pas marcher. Genre, c'est. Mais je, je me demande, si tout ça, ce n'est pas fait exprès. Qu'en fait, il, est, il sait très bien que tout ce qu'il raconte, ça fait aucun sens, et qu'à la fin, c'est pour euh, rendre le système totalement absurde, pour oui. que les gens, en fait, appellent à la destruction du système. C'est du marxisme. Ouais, c'est ça. Pour qu'en en fait, c'est une grosse révolution. Ils disent mais en fait, on n'a pas besoin de monnaie, on s'en fout. Tout ce qu'il faut, euh, c'est que les gens aillent travailler, qu'ils produisent et qu'il y ait des tickets de rationnement euh, pour. Euh... Non mais en, en vrai, je. La révolution du prolétariat. À la, à la fin, je me, je me demande, ce n'est pas juste ça. Parce ouais, que je me dis, le mec est pas con, il sait très bien ce qu'il raconte, ça fait aucun sens. Ouais. En vrai, je pense que tu as raison, tu soulignes un bon temps. Bref, tout ça montre que contrairement à ce qui est dit et répété, il y a bien de l'argent magique quand on emprunte à une banque et qu'il est même essentiel au capitalisme moderne. Il faut toujours plus d'argent pour acheter toujours plus de richesses. C'est faux. Maintenant, on peut se poser la question suivante Qui a le pouvoir d'utiliser cet argent magique et eh ben tous ceux à qui le banquier est susceptible de dire oui. Donc vous et moi, hein, sûrement pour un crédit immobilier, mais aussi les entreprises. Plus elles sont grosses, plus l'accès à l'argent magique est important. Et évidemment, ce qui va nous intéresser ici, la puissance publique. Eh oui. À deux doigts de décrire l'effet Cantillon quand même. Ils auraient quand même pu. Parce que le pire, c'est que là, du coup, ils le tournent même pas mal. Ils voient pas d'inconvénients à... à ce qu'ils sont en train de décrire que bah, il va y avoir un effet Cantillon si on n'a pas tous la même facilité d'accès au crédit, que, des gens, donc, que les gens les plus gros ont, de, de plus, fin, ont plus facilement accès au crédit, ben tu sens bien qu'il y en a qui vont grossir de plus en plus de façon quasiment exponentielle, et d'autres qui vont juste crever la dalle. Ça s'appelle l'effet Cantillon, regardez... Euh, de, 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 bon, on a un article sur notre site d'ailleurs, sur howtobitcoin.fr, sur le sujet, allez vous renseigner dessus, vous allez voir comment ça fonctionne. Les politiques qui ont la plus grosse des baguettes magiques. Car ce sont eux qui décident des politiques publiques. Par exemple, où est-ce que l'on décide d'investir Comment est-ce que l'on régule les marchés financiers Ou bien, qui est-ce que l'on taxe et qui est-ce que l'on indemnise Tout ça, c'est ce qui va guider où va l'argent. Et comme on l'a dit, la dette, c'est un investissement. Décider de diriger l'argent quelque part, c'est prioriser les secteurs que l'on veut voir se développer. Mais c'est pas automatique, hein, sinon ce serait trop facile. Et parfois, on a beau arroser un secteur d'argent, si on le fait mal, et ben bah, la magie va pas opérer. Dans une publication. Oui, genre les éoliennes, quoi. <laughs> il ne veut, veut pas en venir ici, mais euh, ça fait. Attends, je, sais, je crois qu'à l'échelle européenne, je ne sais plus si c'est 1000 ou. Trop, non, je crois que c'est 1000 milliards qui ont été investis dans la transition euh, écologique. Et je crois qu'on est passé à même pas 5% de renouvelables. <laughs> ça vous donne le ça, ratio. Ça, ça vous donne le ratio. Mais Je crois que c'est ouais, même pas 5%. J'essaierai de mettre à l'écran la stat. C'est pour vous dire à quel point l'allocation du capital est pourri, pour 5% d'une énergie non pilotable qui de toute façon ne peut pas être à 100% parce que de toute façon ça marche pas c'est pour vous dire le délire, et là le mec il t'explique que bah, on peut très mal investir l'argent, ce qu'on décrit depuis le début et il va pas te dire que c'est tout ce qu'il prône hein, par contre, ça il va pas te le dire en juillet, la situation et les perspectives des finances publiques, la Cour des comptes constate que le déficit public ne se résorbe pas et arrive à 5,5 points de PIB, un déficit jugé élevé et au-dessus des prévisions du gouvernement. Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi c'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Duhamel. Vous pourriez mettre ça aussi à mon actif. Là, Bruno Le Maire parle des dépenses pendant le Covid. Il dit que c'est les dépenses et la dette pendant la pandémie qui ont sauvé l'économie française. Et c'est vrai que les dépenses à ce moment-là ont permis de protéger les gens et les entreprises de la pauvreté lorsqu'on ne pouvait plus travailler. Mais par contre, c'est moins vrai que notre déficit vient de là. En tout cas, c'est pas vraiment l'analyse qu'en fait la Cour des comptes. Selon eux, l'augmentation du déficit en 2023 vient en grande partie des mesures de baisse d'impôts et de cotisations qui ont eu lieu depuis le début début de la présidence Macron donc avant même le covid-19 forcément si les dépens ah, non, mais ce truc là il est tellement euh, fallacieux tu sais de dire il y a eu la crise covid on a imprimé de l'argent on a sauvé les gens genre on a volé tout le monde non mais, non, mais même genre juste euh, en mode expérience de pensée tu as un nombre de ressources tu as de quoi manger ou non dans le pays ce n'est pas quand tu crées du, des bouts de papier que d'un coup, il y a plus à manger pour la population. C'est complètement con. Genre, au pire, tout ce que tu fais, c'est qu'il bah voilà, y avait suffisamment de nourriture. Peut-être qu'elle n'était pas euh, disponible pour tout le monde parce que tout le monde n'avait pas la capacité de l'acheter. Mmh. Donc en imprimant, en fait, tu as forcé euh, la redistribution de la valeur qui était stockée dans l'argent dans les comptes des épargnants, vers les personnes euh, en fait, qui étaient en mode YOLO, qui n'avaient pas d'argent ou qui se retrouvaient dans la merde, pour leur donner l'argent. Mais ce n'est pas juste, euh, bah, il a sauvé l'économie en... Puis, ce qui s'est passé hein, pendant le Covid, c'est que les gens ne mourraient pas de faim quand ils ont annoncé les confinements et tout. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont tous achetés des baskets Nike et que le prix d'une Nike est monté à 600 balles. C'est surtout ça qui s'est passé en premier lieu. C'est parce qu'il y a eu un tel afflux d'argent alors que les gens avaient des besoins ultra restreints et ben, les gens en fait sont allés acheter tout ce qui avait une forme de rareté. Parce qu'ils se sont dit putain, l'argent coule à flot, en fait c'est un mécanisme très naturel chez l'homme. Bon il ben, faut que j'aille trouver un truc rare, parce que je sens que, que de toute façon là, mon argent, euh, il ne sert à rien. Et ben, les gens, voilà, ils sont c'était les Nike, c'était les Rolex, les mondes de luxe, ça a été les cryptos, hein, c'est pour ça qu'il y a eu un, un tel boom aussi. Et c'est tout ce qui avait une forme de rareté. Ne bouge pas, mais qu'on diminue les impôts et les cotisations, bah forcément le déficit se creuse. La période 2018-2023 a été marquée par d'importantes baisses d'impôts, dont l'impact est estimé à 62 milliards d'euros en 2023, soit 2,2 points de PIB. Si en 2022, on ne voyait pas encore totalement l'effet de cette politique sur les recettes des impôts et des cotisations, c'était surtout parce qu'il y a eu un rebond économique post-Covid. Un PIB qui a fortement grossi, donc une base fiscale plus importante. Un rebond mmh. économique. On a imprimé de l'argent. Tiens, tiens, quoi. on augmente de 30% mmh. la masse monétaire, il y a un rebond économique. En fait, c'est vraiment ce qu'on a montré au tout début avec leur schéma à la con. T'augmentes euh, le volume de, de la masse monétaire, il bah, y a plus de mouvements, il n'y a pas plus de production dans les entreprises. C'est mmh. ça il n'y a pas de rebond, même. En fait, on était en plein de délire. <laughs> parce qu'il avait pas, il y avait moins de création de richesses, plus de dépenses. Donc, euh, t'embrouilles le signal à toutes les entreprises que d'un coup, il y avait plus de... De ressources, de richesse alors qu'en fait, euh, ouais, pas bah, du tout. Par contre, t'as augmenté énormément les flux, donc t'as augmenté les recettes de l'État. Mmh. Et donc, faire. alors qu'on devait être dans un, un comportement de en mode ultra calme, faire gaffe, qu'est-ce qu qui va se passer On a été dans une période ultra grave, où, même si elle a été créée artificiellement. <laughs> euh, on devait normalement être en mode, euh, voilà, austérité, calme. Et là, en fait, les gens dépensent comme des tarés parce qu'en fait, on leur envoie l'information qu'ils ils ont plein de thunes. Alors qu'ils n'avaient pas encore capté que leur thune valait beaucoup moins aussi. Oui, aussi. Ça, c'est bah, oui. tout le principe de l'effet contient. Plus de recettes. Mais en 2023, une fois que le rebond est passé, eh ben, on voit que le déficit a été creusé par ces coupes de revenus. Finalement, le gouvernement de Macron a décidé d'utiliser la magie de l'argent, c'est-à-dire le déficit, non pas en dépensant plus, mais en renonçant à des rentrées d'argent. Et la justification derrière ces baisses de prélèvements obligatoires, c'est bien sûr de rendre la France plus attractive, créer plus d'emplois, nous réindustrialiser. Sauf qu'en fait. Ça marche pas très bien. Les milliards dédiés aux entreprises ne suffisent pas à inverser cette tendance de désindustrialisation qui touche la France depuis plusieurs décennies. Peut-être parce qu'on part de tellement haut qu'on peut baisser d'un tout petit peu, ça ne changera rien. Hein Je suggère l'idée. On est passé d'environ 4 millions de salariés dans l'industrie en 1991 à un peu plus de 2,5 millions en 2021, soit 34% en moins. Et l'industrie ne... Peut-être parce que ça coûte extrêmement cher d'employer un salarié, je ne sais pas. Je suggère à nouveau. représente plus qu'environ 10% du PIB contre 20% dans les années 80. Certes, les chiffres du chômage ont diminué, mais ça ne s'est pas accompagné d'une réduction de la pauvreté, ni... Peut-être parce que l'État emploie 40% de plus de gens... Oui, ou peut-être parce que en fait, le plein emploi est un fantasme d'étatiste et que justement il faut se concentrer sur la pauvreté. Et la pauvreté, c'est pas que tout le monde ait un plein emploi, c'est la démonstration. C'est qu'on peut avoir un chômage très bas et une pauvreté qui monte parce qu'on peut distribuer de l'argent autant qu'on veut à des gens qui font rien, ça n'augmente pas la richesse de tout le monde. Une réduction des inégalités. Au contraire. L'argent magique a servi à faire des cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes entreprises. C'est une perte d'argent sans magie, ça. Par exemple, de nombreux rapports montrent que la fin de l'impôt sur la fortune et la flat tax sur le revenu du capital, en gros la flat tax, c'est le fait de moins taxer les dividendes des plus riches. Eh bien, ces deux mesures ont simplement eu pour effet d'augmenter la distribution de dividendes sans signe d'augmentation de l'investissement. Ah, mais je connais. Qu'est-ce qu'il propose, lui Parce que lui, il veut, il veut pas arrêter ça, si on a bien compris. De toute façon, l'argent, elle est magique. Euh, ce qu'on peut faire, on peut le financer. Donc, de toute manière, il veut continuer. Et si, si, si dans, le, dans le cas même où il aurait une bonne idée, euh, financer les énergies renouvelables qui produisent pas d'énergie, genre même dans ce cas-là, à part... Et c'est sûrement, en fait, ce qui va se passer, mais il va euh, nationaliser... Les, les entreprises qui produisent ces trucs-là. Donc, pour ce lui, en fait, fait, ça va cas être cas. un cercle fermé. Et si ça reste des entreprises privées, il va les, les financer, mais ça va faire la même chose qu'il dit. En fait, ça va profiter à des grosses entreprises, ça va encore créer des monopoles, parce qu'en fait, euh, à la fin, ils en financent à chaque fois qu'une. Au pire, elles vont se racheter entre elles, ils en financent toujours qu'une. Puis, elle est, elle est plus. Puis, vu que c'est pas le marché qui décide, c'est le copinage, c'est ton réseau. C'est tout ce qu'ils n'aiment pas, hein, en théorie, mais au final, c'est ce qui ce qu prônent. C'est eux qui créent ça. Plus d'argent pour les plus riches, c'est la théorie du ruissellement Ouais, mais en fait, c'est même pas une théorie, c'est un mythe. En pratique, on n'a pas de preuves que ça marche. Et là, il est en train de dire, là, on n'a pas de preuves que ça marche. Si, si tu taxes moins les riches, les riches restent. En fait, ce qu'ils ne comprennent pas, eux, c'est que le riche, c'est une ressource rare. C'est que... C'est un si, cerveau tant qui que, marche. Non, mais tant qu'il qu est là, tant que tu peux lui prélever chaque année un petit peu, as une, as une source de, de rente. Mais il y, y a un niveau, ça s'appelle la courbe de Laffer, je crois où à partir d'un moment, euh, eh ben en fait il va se barrer, il va prendre son argent, il va dégager. Et sauf que eux, c'est les riches dont ils parlent, ils ont les moyens, ils sont mobiles leur argent, ils peuvent le bouger très facilement, ils peuvent même en abandonner en France s'il faut. Et croyez-moi, ils ne vont pas payer d'exit tax. Donc en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que eux, ils veulent faire du one shot, c'est-à-dire on raquette les riches, comme ça l'année d'après ils partent. Donc ok, on a fait une superbe année, recette de fou, la fiscalité c'est génial, et l'année d'après c'est zéro. Plutôt que de prendre 10 tous les ans à vie, ils préfèrent prendre 100 une année, puis plus rien du tout. C'est un raisonnement niveau 6 hein. Mais non, ils ne comprennent pas. Ils se disent Non, mais on va les forcer à rester, on va les raqueter tous les ans, puis on peut prendre 90% tous les ans. Sauf que si tu prends 90% d'un truc qui ne fait que diminuer, à la fin, tu as quand même zéro. C'est débile. Le nouveau Fonds Populaire propose effectivement d'augmenter les dépenses dans plusieurs secteurs, santé, éducation, mais aussi d'augmenter les recettes, notamment en taxant les plus hauts revenus et profits, avec le retour d'un ISF amélioré, à une taxe des super-profits, plus de progressivité sur l'impôt sur le revenu, une progressivité de l'impôt sur les revenus du capital. Je suis désolé, mais dans des gens qui prétendent l'égalité, la progressivité d'un impôt, ça veut dire qu'en fait, plus tu gagnes. C'est pas plus tu payes, c'est plus la part de ce que tu payes augmente. Augmenter le pourcentage. Pourquoi est-ce qu'on ne paye pas juste tous 10, 20, 30 d'impôts Pourquoi est-ce que les moins, les moins fortunés payeront 5, 10, voire pas du tout Puis plus tu montes, plus on te prend en proportion. Ça s'appelle du vol, c'est du racket. Puis ce qui est horrible, c'est le signal que tu envoies. C'est comme si euh, plus tu as des bonnes notes à l'école plus la, la prof elle va être méchante avec toi. Genre en gros, c'est ce que ça veut dire. Ouais. Et alors que ça devrait être l'inverse quasiment. C'est, Si tu es dans un système en tout cas qui est sain, où euh, l'entreprise qui arrive à faire de l'argent et à gagner des clients, genre le fait par euh, le, le choix euh, euh, spontané et naturel de, 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 des gens qui, qui achètent son produit, si c'est sain. En fait, c'est bien qu'elle arrive à vendre. Et donc, il faudrait la récompenser après. Genre. Mais au final, c'est fait normalement, naturellement, avec euh, la dépense de la personne et le fait qu'elle s'enrichisse et qu'elle fasse des super profits. Mais eux, en fait, ils disent qu'au moment où tu commences à vraiment résoudre un problème de la société, où les gens décident de l'acheter, eh ben là, il faut, faut que tu te fasses mitrailler. Genre, là, là en fait, re redescends. Euh, as fait quelque chose de bien, c'est bien, on va le prendre. Maintenant, ça va devenir euh, public. Mais c'est. C'est horrible, genre, qu'est-ce qu que t'as envie de bouger le cul avec ça Alors même qu'il n'était pas question dans le programme de financer les dépenses par de la dette, et alors même que le programme était soutenu par de nombreux économistes reconnus, c'est quand même, selon Bruno Le Maire, trop idéaliste. Impossible à mettre en place, sans bouleverser l'ordre des choses et collapser l'économie française. Effondrement économique garanti également. Bon. Vous allez nous dire que des politiques qui critiquent le programme des opposants, euh, c'est assez normal. Mais le problème, c'est pas la critique, ce sont les arguments utilisés. Le programme du NFP était très large et manquait parfois de précision, c'est vrai. La critique et le débat étaient possibles, mais à la place, la stratégie de Bruno Le Maire et du gouvernement en général a juste été de ranger ce programme dans la boîte euh, irréalisable. Point. Euh, on n'en parle plus. On rentre dans la logique du "there is no alternative". Il n'y a pas d'alternative. Phrase souvent attribuée à Margaret Thatcher pour justifier sans débattre que sa politique à elle est non pas la meilleure, juste la seule possible. Dans le cas du gouvernement de Macron, c'est se placer comme le seul parti sérieux, de bon sens, contrairement aux autres qui ne sont pas des alternatives viables du coup. Même le programme du NFP, qui n'est pas anticapitaliste mais juste keynésien, n'est pas envisageable. Et c'est surtout alarmant quand c'est. Il n'est pas anticapitaliste mais juste keynésien. C'est juste la démonstration qu'en fait Marx et Keynes ont beaucoup de choses en commun et que Keynes n'est juste pas capitaliste parce qu'en fait c'est un programme anticapitaliste vu que tu freines toute personne qui veut gagner de l'argent. C'est purement anticapitaliste. Et pour ces histoires de il n'y a pas de choix en fait entre les trucs, pour le coup je suis assez d'accord. Hein. Personne ne propose de réduire l'État quasiment à néant et, et de se dire bon bah allez maintenant on repart sur de bonnes bases. C'est vrai mmh. que toutes les alternatives sont pourries. C'est plutôt bien dit, pour le coup. Il n'y a aucun programme politique en France qui tient à peu près la route. Aucun, sans aucune exception. C'est que des socialistes. C'est vrai, il n'y a pas de contre-pouvoir. C'est que des nuances de socialisme. Eux, ils mettent en avant le NFP, qui est plus proche du communisme qu'autre chose. T'as Macron, qui est, voilà, qui est un bon socialiste, euh, comme on en fait. Euh, le RN, c'est pareil, hein, ils sont très socialistes. C'est tous la même chose. Mmh. C'est pour ça qu'on ne vote plus hein. Alors, pourquoi est-ce que ces hausses d'impôts massives n'empêchent pas les déficits bah Parce qu'il s'agit d'un fusil à un coup. Vous dégainez ce programme fiscal, vous n'avez plus de base fiscale l'année suivante. La phrase n'est pas très claire. J'imagine que Nicolas Bouzou veut dire que les augmentations d'impôts seraient telles que l'année suivante, tout le monde serait trop pauvre pour les payer à nouveau, ou bien peut-être que tous les riches partiraient de France. Dans les deux cas, c'est une affirmation débattable, présentée comme une réalité, et c'est peut-être devenu une réalité dans la tête des électeurs et électrices qui ont écouté cette émission en cherchant à s'informer. Et voilà il n'y a pas d'alternative, pas plus qu'il y a d'argent. Non mais là ils sont en train de, juste de, de, de nier la réalité. Hein là ils sont juste en train de te dire, n'écoute ouais. pas le réel, ne suis pas le réel. Non mais ce qu'il dit en fait c'est que euh, tu n'as pas pensé à une autre alternative où tu les forces à rester. Ah oui, bah oui, parce que c'est la seule solution pour rester. <laughs> en, fait, en fait tu peux augmenter les impôts, hein, tu peux même mettre des, des barrières partout, on ne va pas empêcher les, les migrants de venir, on va empêcher les riches de partir. Ça, ça, ah, ça va être la nouvelle technique. C'est des grands malades. Son empire médiatique au service du RN, un parti qui rechignerait pas à défendre ses valeurs libérales et conservatrices catholiques. Le RN n'est pas libéral. Voilà, les valeurs conservatrices catholiques, si vous voulez. Le RN n'est pas libéral, c'est socialiste. Fin du débat, allez regarder leur programme. Voilà, ça n'a rien de libéral. Pour tenter de lui donner accès au pouvoir, en allant même jusqu'à orchestrer une tentative d'union entre RN et LR. Parce qu'on parle. C'est vrai que le Nouveau Front Populaire, ce n'est pas une union de la France Insoumise, du PS, des communistes, d'Europe Écologie Les Verts. Ils n'ont pas ratissé tellement large jusqu'à perdre chacun leur identité. Non voilà. Donc ils décrit ça comme une giga dinguerie que le RN et LR veulent faire une alliance. Mais eux, euh, voilà, le FP fait une alliance, ils le mettent en avant, c'est exactement le même schéma. Hein. C'est mot mmh. pour mot la même chose. <laughs> c'est un délire. C'est toujours. Euh... Genre moi j'ai le droit mais pas vous. Tu sais genre oui. c'est euh, comment, comment tu dis c'est quoi l'expression Faites ce que je dis non, mais Non non. Non, non c'est deux poids deux poids deux de mesure. Deux... Ouais. Oui ouais c'est exactement ça. L'argent magique au niveau de l'État, de la dette des banques, mais avoir assez d'argent pour promouvoir les idées qui nous plaisent et éviter les alternatives et donc d'influencer la politique d'un pays entier, ça c'est un autre pouvoir magique de l'argent. Alors Malgré ce qu'on entend depuis des années, l'argent magique existe bel et bien. La Macronie l'utilise depuis le début de son mandat pour financer sa politique de cas d'office. et Mitterrand il faisait quoi en fait ouais, parce que là il prend la Macronie il l'utilise. Mitterrand, il l'utilisait aussi et pourtant vous étiez d'accord avec tout ce qu'il faisait. Donc ça m'énerve comme si Macron avait découvert l'argent magique. Les États ont découvert l'argent magique en inventant cette, cette nouvelle forme de monnaie. C'est pas Macron qui l'a inventé, ça existe depuis 50 ans. Arrêtez de mentir, enfin même avant d'ailleurs. Et oui, parce qu'il va falloir commencer à investir des milliards pour faire face aux défis qui arrivent, comme le vieillissement de la population, la montée des idées d'extrême droite en Europe, et bien sûr les crises environnementales qui se font déjà sentir en France. C'est trop une dinguerie. <laughs> Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de, de, de ce qu'elle arrive à te mettre, tu sais, en comparaison. Genre elle a mis la, la hausse de la température avec les feux de forêt, les, les canicules, et à côté, elle t'a mis la montée de l'extrême droite. Qu'il va falloir financer. Il va falloir financer. Alors, à la limite, financer la transition, bon, on a expliqué pourquoi c'était une connerie. Mais financer la montée, de... enfin, du financement contre la montée de l'extrême droite, ça s'appelle a... de la propagande et de la censure, quoi. Ouais, c'est ça. <laughs> ou des camps, ou. Euh... Il va falloir, va falloir inculquer les bonnes valeurs aux gens, parce que ce qui se passe, c'est pas bien. Je dis pas que le, la montée du RN, ce soit une bonne chose et souhaitable. Alors on Vous commencez à nous connaître, on n'est pas du tout dans, dans cette vibe-là. Mais ça veut Mais... dire qu'en plus, vous tous, vous êtes maintenant nombreux, qui, qui, qui votaient pour ces gens. En gros, ils sont en train de dire il va falloir qu'on prenne votre argent via de l'impôt, via de l'inflation, pour qu'on la mette dans votre direction pour vous apprendre à voter NFP. <laughs> Genre, c'est fou. C'est du génie. Nous avons besoin de décider collectivement comment voulons-nous utiliser le pouvoir de l'argent. Quelle politique économique voulons-nous prioriser pour les prochaines années Mais pour ça, nous avons besoin d'un. Moi, j'ai une solution pour qu'on décide tous collectivement de ce qu'on fait de notre argent c'est qu'on arrête d'en imprimer, comme ça, c'est rare, et comme ça, chacun décide avec son portefeuille de ce qu'il fait de son argent, personne ne peut en créer de nulle part, et ça marche mieux. Buy Bitcoin. Médiatique à la hauteur, qui ne cherche pas à sécuriser les intérêts des quelques-uns les plus fortunés, mais qui puisse permettre un vrai débat démocratique informé. Alors, l'inconvénient, c'est que nos vidéos ne plaisent pas vraiment aux milliardaires. On ne peut compter que sur vous, alors n'hésitez pas à soutenir des médias indépendants. Oui, oui, bon, voilà. Et ça ne me plaît pas non plus aux, libéra... aux libertariens, aux ouais. gens de droite, euh, aux gens normaux, euh, en fait, juste pas aux gens qui, qui vivent des subventions, quoi. Ouais, voilà, ça ne plaît <laughs> pas aux gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Bref, on s'arrête ici. Euh, on avait dit une petite vidéo, ça va faire une heure et demie, hein, tranquillou. Euh, juste avant de vous quitter, déjà bon, bah, si vous avez apprécié euh, notre souffrance, n'hésitez pas à mettre un like. C'est un bon moyen de nous rétribuer. Et le plus important, c'est un abonnement. C'est le meilleur signal pour nous dire on aime bien ce que vous faites. Puis comme ça, vous ne raterez pas les prochaines vidéos, en plus, si vous activez la cloche et tout. Et puis surtout, je le répète, mais partagez la vidéo. Hein. Ouais. C est, c est, c est... En vrai, c'est même plus pour nous. <laughs> c'est surtout pour votre entourage pour qu'ils essayent de s'ouvrir l'esprit, qu'ils se préparent qu prépare à ce qui, ce, qui, ce qui va arriver. Parce que ces mecs, un jour, ils vont finir par avoir le pouvoir et ils vont faire mal, ils vont faire très mal. Il ouais. faudra, faudra être prêt pour ce moment-là. Il faudra avoir du Bitcoin pour être prêt à s'enfuir, pour passer la douane. Parce ouais. que votre or, ou je ne sais pas quoi, vous pourrez pas vous le mettre dans les fesses. Il <laughs> faudra avoir Sack euh, Ledger, soit ces mots dans la tête, ce genre de choses. Mais eux, eux ils, ils vont vous faire la peau. Ouais. Et pour euh, conclure, euh, remercier à nouveau Consensus d'être notre partenaire. Et peut-être, du coup, euh, ce livre de Pierre Noisa, L'énergie face cachée de la monnaie, euh, qui permet de comprendre que bah, en fait, euh, derrière la monnaie, il bah, n'y a pas rien. C'est pas magique. Quand même un, je pense que c'est quand même le livre qui répond le mieux à cette vidéo. Donc euh, n'hésitez pas à vous le procurer. Vous avez un code promo moins 10% avec le code HowToBitcoin, lien dans la description. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, comme ça vous pouvez vous faire des achats, des livres qu'on vous a recommandés ou d'autres. Hein, la boutique est large. Euh, Faites-vous plaisir. Oui. Et puis, euh, nous, on vous dit euh, à bientôt pour de ah, nouveaux débunks. De nouvelles aventures. Ciao. Et il va falloir qu'on s'entraîne à faire moins long, que 1h40.